Le mouvement sans terre est né de la liaison, de l'assemblement de plusieurs luttes paysannes en janvier 1984. Le premier objectif, c'est la lutte pour la terre. Le deuxième objectif, la lutte pour la réforme agraire. Et le troisième objectif, c'est la transformation de la société. Quand les premières luttes paysannes ont repris et qu'a été fondé le mouvement sans terre, on avait à faire face à des gros propriétaires fonciers, ce qu'on appelle aujourd'hui l'agribusiness, et qui est une alliance entre la grande propriété foncière, les grandes multinationales et le capital financier. L'agroécologie était un objectif stratégique aussi du mouvement sans terre. Ce serait une nouvelle relation entre l'homme et la nature, non seulement on la comprend comme une technologie, une nouvelle forme de produire sans pesticides, mais aussi on la comprend comme un mode de vie. La loi brésilienne, elle prévoit que la terre ait une fonction sociale. Et la Constitution fédérale brésilienne, elle dit que toute terre qui n'accomplit pas sa fonction sociale peut être désappropriée pour la réforme agraire. Avec le temps, on a appris aussi qu'il fallait bien choisir les propriétés pour voir si elles étaient passibles d'être conquises. Et donc commence une bataille qui est d'un côté légale, judiciaire, et d'un autre côté la démonstration de force. On peut faire face à des conflits très violents parfois, avec soit des mercenaires payés par les propriétaires, soit avec la police. Une fois qu'on a conquis la terre, que l'INCRA l'achète, l'INCRA c'est l'Institut National de Colonisation et Réforme Agraire, qui est l'organisme responsable de la réforme agraire, et là va commencer l'assentamento. L'assentado va recevoir un document qui lui garantit l'usage de cette terre pour lui, et il peut le transmettre à ses descendants. Mais il n'a pas la propriété de la terre. L'État brésilien en demeure le propriétaire. L'école Newton Santos a été créée avec le principal objectif de faire une formation en agroécologie pour les jeunes. Elle a été créée par le mouvement sans terre, mais on la considère comme une école des mouvements sociaux. En ce moment, la plus grande partie des cours que nous avons ici est demandée par les communautés de la réforme agraire. Nous avons aussi des cours de courte duration, soit dans des domaines de capacitation comme santé, nutrition, énergie renouvelable, agroécologie, communication, culture, soit de formation politique. La plus grande partie des Brésiliens connaissent le MST d'après la télévision et donc d'après la version que les gros moyens de communication donnent du mouvement sans terre.